puisqu'il annonce élection villageoise, nous nous concentrer l'eau, justement, élection villageoise. Premier affaire qui nous vient dire, qui c'est une entrave à la démocratie, ce qui gouvernement MSM faire. Une entrave. D'abord, il n'y a pas de respecter même ce qui n'est pas respecté. Right? Procédure à très très vite. Beaucoup de monde dans confusion. Pas connaît qui bisa amener, qui document, qui met pour faire. Beaucoup de monde dans confusion. C'est vrai, il est si capable de mettre ça sur le website. Mais c'est moi, du monde n'a pas connu. Pas que du monde n'a pas get le website, etc. En plus, moi tout ça, manque de respect. Quand il bien connaît dans Douga Pouja là, tout le monde dans la prière. Et il connaît, il va aller venir après. Il choisit ça l'époque là même pour lui faire tout ce procédure, c'est-à-dire nomination day, polling day, etc. etc. Faire par esprit. Un manque de respect extraordinaire. Il se fait pareil pour l'élection générale. Si dans les enfants, tu peux proposer l'examen, mais les jeunes pas capable de voter parce qu'ils ont l'examen. Allez, il fait pareil. Là. Un manque de respect. Et tout procédure qu'il fait en vitesse, ce qui conseil des ministres décidé le 16, vendredi le 16, il donne juste 2-3 jours. La nomination day, bien, pourquoi le 31 octobre. Après ça, polling day le 22. Quand tu es capable de donner un petit peu plus de temps pour du monde organiser. Comme on dit dans le passé, Maurice Djali aussi, parti travailler, c'est pas participer jamais dans l'élection villageoise. Parce que tout le monde dit, moi, hein, c'est pas nous pas participer. Nous pas participer. Nous pas participer, qui fait? Surtout parce que dans mon village et dans mon groupement travailleur, ce qui forme, et les autres compétent en eux même. Pas nous qui parlons rentrer là-dedans, pas prendre fait des causes pour un ou bien pour l'autre. Donc nous pas participer. Mais seulement, nous pour back mon groupement pour travailler. Ça nous pour faire. Nous pouvons guetter, mais nous pouvons faire passer la place pour en plusieurs, donc nous besoin guetter. Mais besoin toujours, nous ne pas derrière, mais nous ne pas participer comme une partie avec symbole, ça, ça c'est pas nous pas faire ça. Donc ça, pour mes affaires, tiens, surtout ça qui me tient à vous dire, qu'il est une bafouée démocratie encore une fois. Nous parlons de causes trop longues et nous parlons de répéter ce que chacun peut dire. Donc je passe la parole à la prochaine camarade Paul Béranger. Merci, Namine. Oui, moi aussi, je tenir à dénoncer ce qui est Pravin Jagnat, ce qui est MSM, bien planifié. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'ils ont attendu jusqu'à les 16 pour prendre une décision, Conseil des ministres, pour prendre une décision. Les 16, un week-end passé, là, ils n'agissent aujourd'hui et demain pour un groupement enregistré au niveau de différents villages. C'est inacceptable. Juste aujourd'hui et demain. Pour chacun dresse sur la liste, ce groupement. Comment on a venu dire, ni travailliste, ni MMM, ni PMSD, nous pas présente pas de candidat de parti. Nous pas service symbole du MMM, du parti travailliste, du PMSD. Mais, n'encourage Zimoun, il est important, même si c'est vrai qu'il ne parti, pas carrément là, dans sa élection là, mais il y a une élection bien importante pour une villageoise, pour une villageoise, il y a quelque chose de très important. Et moi, dénonce moi aussi le fait qu'il ne ferait une manière annoncer les 16, donne-y des os, ou dit, mais pour qu'il y ait une... Là, c'est un désordre généralisé. Dis-moi, ne pas me connaître quand je ne peux pas l'enregistrer comme un groupement. Pas oublier 9 candidats, plus 6 low reserve list, avec un équilibre hommes-femmes, en désordre. Qui document bizarre amène un procès verbal. Tout ça là, dit, on en voit une confusion terrible. Donc, bizarre dénonce ça. Il y a un viol de la démocratie, il y a un manque de respect, il est inacceptable. Tu es capable de faire autrement. Tu es capable d'une annonce. Conseil des ministres est capable de prendre ce décision. Plus bonheur. Et encore capable de retard de quelques jours le nomination day. Léa là, lui donne quelques jours en plus. Mais ça, c'est le gouvernement qui fait Ali, Premier ministre, président de la République. Donc, nous dénonce tout ça là. Mais n'empêche qu'il y a quelque chose d'important, élection village. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, nous nous concentrons presque tous nous les temps, au niveau des trois partis, pour
Guetsa, élection village qui peut venir. Mon régime, encore il y a le temps pour retarder nomination day de quelques jours. Les LA gagnent plus de jours, 2, 3, 4, 5 jours en plus pour former un groupement, pour aller enregistrer. Ce n'est pas facile, tout ça. Donc, encore capable, je dis, bien qu'on dans tout ce qui est une désaffaire MSM, planifier ça. Je te connais, je te dans cette information, tout. Planifier ça pour qui les autres pas gagner le temps former un groupement, pas gagner le temps organiser. Mais à part élection village, nous prenons aussi une des les autres décisions qui Xavier et Arvin pour communiquer. Merci beaucoup. Bon, la position du PMSD est identique à la position travailliste et position même, c'est-à-dire qui nous ne prend pas, mais nous encourage un monde valable pour prendre part dans sa élection village-là et éventuellement venir aux commandes du district council. Ce qui m'a besoin de dire ici, c'est qu'il nous tout plaigne qu'il y a un feeling dans le pays, qui MSM n'a qu'à pas le pays, qui en fin de compte, ça syndrome pays dans nous la main là, c'est aujourd'hui presque une vérité pour le gouvernement du jour, à l'occasion qui nous est pour installer un contre-pouvoir, pareil comme Rivière Noire peut faire, un contre-pouvoir dans le pays, et il ne faut pas que la population rate l'occasion d'installer un contre-pouvoir en faire élire un monde indépendant, mais un monde valable dans le village council et éventuellement dans le district council. Donc, si l'information que vous donnez, c'est que nous avons jusqu'à demain, 4 heures, quand le bureau est fermé, pour que les gens aillent enregistrer d'autres groupes, comme on avait avec Paul Finzier. Donc, pendant beaucoup de temps, et dans toute une série de documents qui avaient les bons le website ISI, et bien sûr, nous sommes contents que tout le monde fait ça, mais nous faisons un appel toujours, président de la République et gouvernement, pour repousser de quelques jours. Échéance de demain après-midi là. Maintenant, ce qui me tient pour dire, c'est que c'est avec plaisir que mon grave annonce qu'il nous peut reprendre nos bonnes réunions tripartites de 6-6 personnes, 6-6-6, c'est-à-dire 18 personnes, qui nous pas fait depuis quelque temps, et nous peut référer le lundi 26 octobre, ici même à 11h. Et nous pouvons donc rejoindre. Qui fait nous pouvons faire aller? Parce que deux et trois parties trouvent très important le fait de partager bonne information, partage bonne point de vue, est très utile d'ailleurs pour le débat public.